Chers amis, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qui est une année clé puisque nous entrons dans une décade qui, je l'espère, sera celle de la sauvegarde de la planète. Je vous souhaite une très bonne année, une santé durable. Je vous souhaite une réussite de vos projets. Je vous souhaite, eh bien, la sérénité. Cette année est également pour moi une année charnière, puisque c'est l'année du lancement de mes formations en ligne, dont vous en avez déjà deux en ligne, une troisième qui va pas tarder à sortir, hein, sur le genou, donc la première sur lombalgie sciatique, la deuxième sur le traitement naturel des douleurs chroniques notamment, donc c'est une formation dans la continuité de mon livre sur l'inflammation silencieuse, et une troisième sur le genou. Et les suivantes, eh bien, je vous laisse la surprise de la découverte, mais sachez que le sujet qui m'intéresse le plus, qui me passionne le plus, qui me motive le plus, c'est celui de la lutte contre le vieillissement. Je pense que passé un certain âge, donc quand on est jeune, de tout ça, ça nous passe au-dessus de la tête, mais arrivé à un certain âge, à 40, 50, 60, en fonction de notre terrain, de nos occupations, eh bien, nous pensons au vieillissement. Et croyez-moi, c'est vraiment une bataille qu'il faut mener au jour le jour. Et cette bataille, eh bien, je vais vous aider à la mener victorieusement pour que vous ayez une vieillesse dans le meilleur état de santé possible. Et quant à la longévité, eh bien, malheureusement, on ne peut pas déterminer par nous-mêmes, mais l'important, c'est de rester dans le meilleur état possible, le plus longtemps possible. C'est tout pour ce petit coucou. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.